Alors, nous sommes à la lettre D. Quand j'ai pensé à la lettre D, ce qui m'est venu à l'esprit en premier, c'est décider. Parce que c'est un trait de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est très décidé. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds, comme dirait mon père. Alors, mais après, j'ai regardé cette étampe-là du jeu chaque instant. Puis, je me suis dit, ah, il me semble que je vois ça sur du papier ici, First Edition, que j'aime beaucoup. J'ai pris une repeille qui, par hasard, elle est pratiquement de la même grosseur que mon étiquette. Je voyais ça. Puis, cette étampe-là, là, me fait penser aux détails. Donc, D pour détails cette semaine. Tous les petits détails dans ma vie qui soit m'empoisonnent la vie. Ou soit me la rendre tellement plus belle, les petites choses. Je me comprends, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous choisissiez quelque chose qui vous ressemble. Donc là, c'est pas mal la même grandeur. Ouais. Moi, oui, on peut dire que ça va. On va aller coller directement dessus. Ce que je voulais faire, c'est faire changement, puis inclure ce beau papier-là que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a plusieurs feuilles à l'intérieur du paquet, plus de feuilles, il est plus dispendieux, mais il y a pas mal plus de feuilles. Je me souviens pas combien, je suis pas très bonne de mémoire. Alors, j'ai juste à venir recouper les deux petits coins. OK. Et là, j'improvise encore une fois. Je sors mon stazon noir. Pour moi, cette étampe-là me parle des petits détails qui me touchent dans ma vie. Les oiseaux. Les petits écureuils, c'est souvent des détails dans la nature, pardon, j'étais en dehors du champ. OK. Oh, j'ai pesé fort. C'est sûr que là, il va falloir que je mette de la couleur parce que l'oiseau ne ressort pas du tout à cause du papier qui est en arrière. Bon. Je n'ai pas pensé à mes couleurs, mais c'est sûr que là, je ne ferai pas des quenouilles mauves, on s'entend. Donc, pépites de chocolat. Je le presse pour obtenir de l'encre ici. Il va sûrement avoir du vert olive pour les feuilles. Je vais vous approcher ça. OK. Je prends mon crayon estompe. Et je vais venir commencer par l'endroit où je veux que ça soit plus foncé. Bon, j'aurais très bien pu sortir mes Stampin' Pastel. Donc, l'endroit où je veux que ça soit plus foncé, imaginez-vous la lumière là, qui arrive d'ici. Donc, j'ai mon soleil ici. C'est sûr que tout ce qui se retrouve comme à droite va être dans l'ombre. C'est pas obligatoire de suivre ça, mais c'est le fun quand on le sait parce que c'est pas plus compliqué quand on fait notre création. Ça me fait grincer des dents un peu quand j'entends ça. OK. Ça ressemble à une petite mésange. Je ne sais pas trop, mais ça ne me tente pas d'aller mettre du noir. Donc, je vais prendre. Changer mes choses à portée de main quand j'improvise avec vous, hein? Vert olive. Vous savez que je suis accro au vert olive. Et là, je me dis, ah, allez mettre un beau petit oiseau jaune, on va faire un chardonneret. Quand je déjeune et je vois mes petits chardonnerets, je suis donc heureuse. Je me suis rendu compte dernièrement que c'est dans les petits détails comme ça qui font que ma vie est belle, ma journée est belle et que je suis réussie à passer. Donc, au-delà de la douleur chronique que j'ai tout le temps. Donc, le D, ça pourrait être tellement d'autres choses. Ça pourrait être une de vos qualités. Ça pourrait être. Une personne que vous connaissez, à qui vous voulez dédier cette page-là, qui est importante pour vous, donc Daniel, Denise, etc. Bon, là, on n'ira pas trop en affaires compliquées. Je sais plus comment que c'est. Comment que ça se dessine Alors, je vais le faire jaune, en tout cas, là. OK, quand je vais nettoyer mon crayon estompe, je griffonne à côté pour enlever l'encre dessus, tout simplement. Le petit liquide qu'il y a à l'intérieur du crayon estompe, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce
que je sais, par exemple, c'est que les deux pointes sont égales, sont pareilles, que ça dure très longtemps, que lorsqu'on utilise avec les pastels, ça fait notre fixatif automatiquement. Qu'est-ce que je sais d'autre? Je le range à plat pour que ça se distribue bien aux deux pointes. Je fais un exercice avec vous, là. Je vais aller chercher une petite touche pour le bec. OK. Je nettoie doucement. Il faut faire attention à notre pointe. Là, je n'ai pas le choix d'aller chercher un petit peu de noir. Les petites papates, là. Bon, bref, c'est pas un oiseau parfait, mais il ressort plus que tantôt, hein? Donc, je nettoie comme ça ma petite pointe. Et je peux serrer mon crayon. Je sais pas trop où je m'en vais. Ce que je sais, c'est que j'aimerais bien avoir du bleu. Ce qui aurait été bien, là, c'est qu'avant d'étamper, que j'aille donner une petite couche de gesso pour encore plus atténuer le fond. Ça aurait été très bien, ça. En même temps, j'aurais pu passer des petites coulisses bleues pour mon ciel. C'est pas grave, on va faire avec ça. Je vous ai dit que j'improvisais, alors j'improvise. Bon, j'ai un mon pinceau, il est plein de gesso, là. Si vous voyez ça, comme je disais, si vous voyez ça, ça c'est mon pot qui est supposé être propre. Je me suis servi beaucoup de gesso. Je vais juste aller humidifier un petit peu mon pinceau qui n'est pas super propre. Je vais aller récupérer un petit peu de... Oh là là! De bleu. De murmure marin. Peut-être pas la meilleure chose que je vais faire là, là. OK. C'est humide, alors je vais prendre mon éponge dans le murmure marin. Regardez, juste comme ça, là. C'est irrégulier. Si vous aimez mieux régulier, ben allez-y. Moi, je trouve que ça fait changement. Alors, on a notre bleu. Et j'ai toujours une éponge avec du verre olive qui traîne sur mon bureau. Oups, il n'y a plus gros de verre olive après ça. Toujours. Une dans le verre olive. Avant, c'était une dans le pépite de chocolat. Mais je dirais que avec je travaille beaucoup plus de médiums différents qu'avant. Donc, j'ai laissé tomber un peu le vieillot. J'ai beaucoup plus de verre olive. Là. Regardez ça, c'est beau. Je vais vous reculer. Oups, pardon. Je vais vous reculer un petit peu. OK. Là, où je m'en vais avec ça, je ne sais pas. Sauf que je trouve que ça manque de détails autour. Ce que je vais faire, là, je ne sais pas si mon nuancier... Ah, oui, c'est le bon. OK. Là, mon petit trou ici, je ne l'ai pas refait, là, mais il faudrait que je me souvienne que j'ai un trou là. Oh, disperseur! OK, il y en a qui doivent manquer d'air quand ils me voient faire ça. Et que je suis donc pas fine. Je fais pas ça à perfection comme j'aurais fait avant, mais regardez, c'est fait pareil, là, quand ça va être pris dans mon anneau. OK, alors, je voulais faire de la fausse couture, mais finalement... J'ai décidé, ben je décide là parce que j'ai aucune planification de fait. Vous vouliez voir, c'était une demande que j'avais. Vous vouliez voir comment je fonctionne. Ben, c'est un peu comme ça que je fonctionne maintenant. Je vous dirais, en changeant ma façon de bricoler depuis 6 mois peut-être, j'ai remis un élan dans ma création que j'avais pas, j'avais perdu. Parce que je bricolais toujours dans le même cadre. Et ça, c'est ce qui fait que j'ai le goût de me lever le matin, puis j'ai le goût de continuer à en faire pour vous autres. J'ai enlevé, dans le fond, ce qui me... des limites que je m'imposais moi-même. Voyez-vous, ici, j'ai été très, très croche, et là, pas beaucoup, là. C'est pas grave, là. On peut même aller mettre... Ça, mes amis, on appelle ça du doodling. Voyez-vous ce que je fais, là? Je fais juste des petites barres, là. Bon, déjà, mon oiseau est plus encadré. Et là, il me manquerait un D pour détail. Je vais aller voir ce que j'ai dans mes lettres.
J'aimerais ça pas arrêter la vidéo pour ça, là. Parce qu'à chaque fois que j'arrête la vidéo, ben, c'est plus de travail quand on les monte après. Puis là, vous allez voir exactement comment je pense, c'est quoi qui se passe dans ma tête. Bon, le dé, suis-je aveugle? Il est ici. D. Si je mettais ça comme ça, détail, où je pourrais le mettre comme ça. Je vais y aller comme ça. Oh, je sais plus. Non, on y va comme ça. Là, qu'est-ce qui va bien ressortir sur mon fond? Je n'en suis pas certaine. Alors, c'est beau d'improviser, mais à un moment donné, c'est peut-être pas mauvais d'essayer à côté. J'encre en pépites de chocolat. Donc, on peut se donner une petite idée. Parce que je veux pas avoir trop de noir. Oh, ça aurait été beau en vert olive. Et oui, je vais perpétuer la tradition du vert olive. Quand je dis que j'en mets sur mes toasts le matin, là. Et là, citron coco est en train d'accoter vert olive, si ça peut vous donner une petite idée, là. Donc, le reste, j'aurais pu aller avec des petites étampes, mais comme je vous disais, j'en ai plus beaucoup. Ou bien avec des lettres à la Big Shot. Je peux pas dire que j'ai une super belle main d'écriture, mais j'apprends à la travailler et à l'aimer avec les années. Voyez-vous, je viens d'aller rajouter ça ici. Là, je vais m'amuser, je vais mettre des petits points. Un petit peu partout, ça va rendre ça un petit peu plus ludique. Regardez déjà. Et là, si j'étais un petit peu zélée, je vais faire le tour de mon étang, de mon dé. Ça fait joli. Je peux même mettre des petits points ici. Moi, j'aime ça comme ça. Oups, pardon. Wouhou! Hey, ça a quand même du punch. Là, ce qui me manque, c'est du smoosh. Mais j'ai pas reçu encore ma petite. Celui-là, il fonctionne. Oh non. Bon, j'ai de la misère avec mon smoosh qui reste coincé là. C'est pour ça que j'aime ça aussi, le faire maison. Pas de succès avec celui-là. Celui-là non plus. Bon, j'en mettrai pas de celui-là parce que, comme je vous disais, j'en ai fait du platine et il est vraiment trop, trop platine. OK. Ce que je vais faire en finissant, je vais juste fixer mon encre. Pourquoi je suis allée fixer mon encre? Parce que j'ai décidé que j'allais faire mon dé en cristal effect. Donc, si vous n'êtes jamais servi du cristal effect, entre chaque utilisation, le petit bout a tendance à boucher. Donc, je me tiens toujours pas loin. Une petite épingle, une aiguille plutôt. Je me suis tout le temps trompée, épingle, aiguille, pour aller le déboucher. Quand vous l'achetez, vous avez juste à couper le bout. Donc, on s'arrange pour couper au bout et non pas aller trop loin parce que vous allez avoir, ça va couler beaucoup trop vite. Et là, vous pouvez... Oups! Oh, il était déjà prêt à couler. J'allais dire, vous pouvez vous essayer à côté, voir le débit. J'ai failli me faire prendre, là. OK. Ça, ce qui est le fun, là, c'est qu'on peut en mettre épais, les amis. Ça fait très joli. Et, dans le fond, là, ça fait tellement joli
que si vous laissez ça sur votre bureau, il y a quelqu'un, c'est sûr, 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 qui va arriver, qui va faire « C'est quoi ça? » Le doigt dedans. Alors, moi, je le mets toujours hors de portée. Voyez-vous, ça fait courber temporairement mon étiquette. C'est sûr qu'une petite touche de smouche, ça aurait été très beau. Je vais le mettre aussitôt que je vais l'avoir. Sinon, j'aurais le goût peut-être d'essayer ici le smouche. Comme ça, je ne sais pas s'il va cacher. Ça, c'est un petit peu nacré. Je vais aller mettre un petit peu de nacre sur la bédaine. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je vais aller l'atténuer un petit peu avec mon doigt. En fond, c'est une ombre qui devrait être là et non une lumière. Là. En temps normal, je l'aurais mis sur son dos, mais voyez-vous? Donc, je pourrais dire... Je vais venir en mettre un petit peu, une petite touche de lumière dans le haut où la lumière frappe en fait. Ça fait un petit wow! Ça, c'est des petits trucs qui coûtent pas cher, c'est des beaux petits cadeaux à se faire. Si j'avais eu, dans le fond, j'aurais pu dire je vais aller mettre mon ombre sur mon petit oiseau, mon ombrage avec le doré. Là, c'est beaucoup plus logique que ce que j'ai fait tantôt. Okay. Donc, je vous montre. Regardez ça. C'est beau. OK. Alors, on laisse sécher comme il faut. Et en arrière, probablement que là, je vais aller me coller une autre taille. Je ne sais pas, je ne pourrais pas très bien écrire. Si je me colle une retaille, je mets du gesso. Non, je crois que je vais laisser ça comme ça. Je vais probablement aller... mettre le petit papillon. C'est vrai, j'ai oublié de le mettre. Il aurait été joli. Il aurait été beau. Je sais pas si je vais le mettre. Ça va-tu prendre trop de place? Faire trop de détails. Oh! Est-ce qu'on se fait plaisir et on va le mettre? OK. Vous voyez, je suis tout le temps en train d'enlever surplus sur mon papier brouillon. Là, il ne faut pas que j'aille mettre ma patte gauche là-dedans. Donc, tantôt, on avait pris murmure marin pour notre fond. Donc, je vais aller chercher murmure marin. Faut pas que je salisse. Ouais, il sortira peut-être pas beaucoup. Il aurait peut-être fallu que j'aille directement au marqueur. Il aurait sorti plus que ça encore. Et je pourrais peut-être venir y faire le corps en pépite de chocolat. Ou il aurait pu être noir. Ok. C'est cute. Très beau. Même, j'aurais pu lui mettre du Crystal Effect à lui aussi. Donc, ça montre quand même un petit peu ma page sur les détails. Elle est assez détaillée, hein? Savoir avec qui je suis. Alors, je vous demande, vous, cette semaine, essayez de trouver quelque chose qui commence par D dans votre vie, qui vous représente. OK? Ça peut être plein d'autres choses. Alors, amusez-vous! Toulou!